Karabaru sabare keri arabaru keseke. Rabare, 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 rabare sabare keke. Sharabaru kurabara bara 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 baru sekeke. Sharabaru kuriya karabara baru sendabare. There shall be a reason why you're here. There shall be a reason why I'm here. Une raison pour laquelle je suis là. I wasn't forced to be here. J'ai pas été forcé de venir. I decided to be here. J'ai décidé par moi-même de venir. There shall be a reason why you are here this afternoon. Il y a une raison qui t'a emmené en ces lieux. Some of you came even earlier than the service starts. D'autres sont venus avant même que le culte ne puisse commencer. There shall be a specific reason. Il y a une raison spécifique qui t'a emmené en ces lieux. That you decided to fast. T'as décidé de jeûner. There shall be a valid reason. Il y a une raison valide qui t'a poussé à faire tout ça. That led you to drive more than 10, 20 kilometers. Qui t'a poussé à conduire 20 kilomètres pour arriver to find yourself here. Pour se retrouver ici. This is my prayer. Voici ma prière. May the Lord meet you at the point of your needs. Que le Seigneur réponde à tes prières. This is my prayer. Telle est ma prière. May the Lord God whom I serve. Le Seigneur dont je sers. From the very young age. De mon jeune âge. Meet you at the point of your needs. Qui rencontre tes besoins. This is my prayer for you. Telle est ma prière. May the Lord God whom I serve. Le Seigneur Dieu que je sers. Meet you. Réponde. At the point of your needs. Réponde à tes besoins. And let it be a week to remember. Que ça soit une semaine dont tu vas t'en souvenir. Let it be the gate. Que ça soit un jour. That will usher you into a new season. Qui va t'emmener dans une nouvelle saison. Let it be the bridge. Que ça soit le canal. Le pont. That will take you on the other side of your life. Qui va t'emmener de l'autre côté de ta vie. Let this week be the week. Que cette semaine soit la semaine. That will start the year for you. Qui va commencer l'année pour toi. Let it be the week. Que cela soit un mois. That will be that ladder. Qui sera comme une échelle. That will connect heaven and earth. Qui va connecter la terre et le ciel. Let it be the week. Que ça soit la semaine. That will start everything for this year. Qui va commencer toute chose pour cette année. Rabaro sobari akabare kebe kosuntu. Rabare ke. Écoute ce que Dieu me dit. Ça va commencer vite. It's gonna start quickly. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de ce qui a été déclaré dans la maison. A lot of people are not conscious of what have been declared in the house. Mais ça ira vite. It will go very fast. Ça sera très vite. It will go very fast. Il y a des gens dans 3 mois. There are people in 3 months. Ils auront ce qu'ils n'ont pas eu dans plusieurs années. They get what they couldn't get in many years. Ça sera vite, it je will vous go dis. Very fast. Ça sera très vite. It will go very fast. Il y a des gens dans 2 mois, 3 mois. C'est comme si Dieu a libéré des choses qu'ils attendaient pendant 15 ans. God has released something they've been waiting for 15 ça va aller years. Vite, dit le It Seigneur. Will go very fast, that et Dieu me dit de dire à quelqu'un, ce n'est ni par la force, it's not by power, ni par la puissance, not by might, mais par son esprit, but by his spirit, il fera ces choses shall do those comme il te l'a dit. As it was ça n'est ni par la force, not by power, ni par la puissance, not by mais par son esprit, by his spirit, il fera ces choses. He will do those je vois un vent qui va souffler. I can see a new wind blowing. Je vois des gens qui étaient à leur poste. People at their post. Et un vent a soufflé. And a wind blow. Quand ce vent a soufflé, when the wind came, c'était comme le vent qui pousse un bateau. It's like pushing a boat forward. Ces gens étaient emportés par they ce were vent. Taken by the wind. Et ils se sont retrouvés plus loin que là où ils ne they pouvaient imaginer. Themselves further than they ce could vent imagine. A commencé à souffler. The wind has started to blow. Et ceux qui seront positionnés and those will be positioned là où Dieu les attend, where God is waiting ce for vent them, les amènera. The wind will take them. La Bible dit ceci. The Bible says, ceux qui se confient en l'Éternel those that trust in the Lord renouvellent leur force. Shall renew their strength. Ils prennent les ailes they'll take comme des aigles. They fly wings like ils eagles. Sont folles comme des aigles. And they fly like eagles. Ils montent là où ils ne pouvaient pas they monter. Rise where they couldn't rise before. Cette année, j'aimerais t'encourager. This year, I want to encourage à chaque you. Fois qu'il y a convocation de every Dieu, time there is a call, ne te donne pas le luxe de rater. Don't miss a day. Puisque c'est dans ces convocations in those meetings, que le vent de Dieu va souffler. That the wind of God will blow. C'est dans ces convocations it is in those qu'une parole sera libre.
libérée. That the word will be released. Et cette parole sera comme un vent. And that word will be like qui t'emporte sans ta permission. That will overtake you without your permission. Pour t'amener là où ta destinée t'attend. To take you where your destiny is waiting. Maison de la grâce. House of grace. Il y a un vent qui va souffler. There's a wind with the qui nous connectera à notre destinée. That will connect you to your destiny. Il y a un vent qui va souffler. There is a wind. Je vois des Joseph qui quitteront leur maison. I see Joseph leaving their house. Pour se retrouver en Égypte. To find themselves in Egypt. Lorsque ce vent souffle, when the wind blows, il t'amène là où tu n'as jamais calculé. Take you where you never thought of. Ni le papa de Joseph, neither the father of Joseph, ni les frères de Joseph, neither the brother of Joseph, ni sa famille, neither his own family. Personne n'a calculé l'Égypte pour lui. Nobody ever thought of Egypt for him. Au plus loin que son père pouvait l'envoyer, the father could send c'était d'aller visiter ses frères. Where to go visit his father. C'est le plus loin qu'on pouvait l'envoyer. That's the farthest that could think of. On pouvait l'envoyer au champ. They could send him to the field. On pouvait pas l'envoyer loin. Could have never been sent far away. Il y a un vent qui va souffler dans There's l'église. A wind that's going to blow. Qui nous emmènera au-delà des frontières Take de ces pays. Beyond the borders of this land. Il y a un vent qui va souffler. There's a wind that's going to Je blow. Vois des Joseph quitter leur maison. I see Joseph leaving their house. Pour aller aussi loin que l'Égypte. To go as far as Egypt. Il y a un vent qui a commencé à souffler. There's a wind that started to blow. Je ne comprendrai pas les voies de Dieu. You will not understand the ways of Mais God. Tout ce que je peux te dire. But all that I can tell you. Ce vent t'amènera à ta destinée. The wind will take you to your destiny. Il y a un vent qui va souffler. There's a wind that's going to blow. Les Esther vont entrer dans le palais royal. Esther will be ashes in the Il y a un vent qui va souffler. There's a wind that's going to Joseph blow. Quittera la prison. Joseph will come out of prison. Et il ira chez Pharaon. I will go to Pharaoh. Il y a un vent qui va souffler. There's a wind that's going to blow. David entrera dans le palais royal. David will go to the palace. Il y a un vent qui va souffler. There's a wind. Saul rencontrera Samuel. Saul will meet Samuel. Écoute ce que je vais te dire. Listen. Dans les 3 mois devant de nous, the 3 months ahead of il y a des gens qui feront des rencontres. People will have meetings. Ça sera des rencontres prophétiques. They'll have prophetic encounters. Écoute ce que je vais te dire. Listen. Dans les 3 mois qui sont au devant de nous, in the 3 months ahead of ça us, va commencer par des rencontres prophétiques. Prophetic encounters. Tu rencontreras un homme. You'll meet a man. Tu rencontreras une femme. You'll meet a woman. Tout commencera par là. It will start from there. Saul, so, tout a commencé everything started lorsqu'il a rencontré Samuel. When he met Samuel. Et quand tu lis les Écritures, when you read the scriptures, lorsqu'il était sur le point when he was about d'aller vers Samuel, to go to Samuel, le manque d'argent était un handicap. The lack of money was a stumbling block. Qui a failli lui faire rater la rencontre. That could have make him miss the encounter. Lorsqu'il était temps d'aller dans la présence de Dieu, when it was time for him to go in the presence of God, il y avait une raison valide pour qu'il n'aille pas. There was a reason valid for him not Église to go. Église du Seigneur, je vous en supplie. Church of the Lord, I beg of you. Je ne gagne rien. I don't win, gain anything. Il y a des gens que Dieu va bénir, peut-être qu'on n'aura aussi rien. People will get blessed and no one have anything. À chaque back. Fois qu'il y a une convocation de Dieu, everything there's a call of God. Que rien ne t'empêche d'aller à cette convocation. Nothing should stop you to come. Le serviteur de Saul dit à Samuel. The servant of Saul tells Saul. Il dit, il y a dans cette ville un homme de Dieu. There is in the town a man of God. Je crois que nous devons y aller. I believe we need to go il y a des him. Gens, leur destinée est en train There de les appeler people, their destiny is calling them en ces lieux. In this place. Écoute ce que je veux te dire. Listen. Il y a un lieu que Dieu a choisi pour changer There's a place une vie. God has called you. It's called to change a life. Dieu est partout, mais il ne nous bénit pas partout. God is everywhere, but does not bless us everywhere. Il y a un lieu qui s'appelle ton lieu de bénédiction. There's a place called your place of blessing. Il y a un lieu qui est ton Bethel. It is a place called Bethel. Là où le ciel est ouvert et les Where anges de Dieu montent et descendent. Where the heaven is open and the angels are going up and down. Dans sa marche, in his walk, Jacob est allé de lieu en lieu. Jacob went from one place to another. Il a dormi de lieu en lieu. He slept from one place to mais another. Mais il y avait un lieu précis. There was a où il y avait une échelle qui l'attendait. Where the ladder was waiting on him. Et dans la vie de Saul, and in the life of il y avait Saul, un lieu précis there was a precise où il allait place quitter le plus petit de Benjamin. Where he have to leave
the smallest pour family devenir le grand roi d'Israël. To become the big king of Israel. Et lorsque c'était le temps d'y aller, when time was about to le manque d'argent était l'handicap. The lack of money was the stumbling block. Église du Seigneur, Church of God, nous sommes dans un moment we are in the time quand il y a une convocation de when Dieu there is a call, que rien ne t'empêche à y aller. Stop you. Parce que tu ne sais pas because you don't know celui que tu rencontreras là-bas. You're going to meet tu ne sais pas quelle onction t'attend là-bas. Which anointing tu ne sais pas quel genre d'huile t'attend. What type of anointing is waiting on you? Il dit, je n'ai pas d'offrande. See, I don't have an offering. Je n'ai pas de carburant. I don't have fuel. Je n'ai pas l'argent de Uber. I don't have Uber money. Écoute-moi ce soir. Listen tonight. À chaque fois qu'il y aura convocation every de Dieu, time there is a call, s'il faut venir à pied, viens à pied. If you have to come by parce que foot, tu ne sais pas ce qui t'attend. For you don't know what is waiting on you. Tu ne sais pas ce qui t'attend. You don't know what is waiting on you. Écoute ce que je vous dis. Listen to what I'm telling le you. Le passage que Dieu nous a donné pour cette année. The scripture God has given us. Ésaïe 52 nous dit ceci. Isaiah 52 ils says, feront les choses qu'on ne les avait pas dit. They will see things they've never spoken ils to them before. Ils feront les choses qu'ils n'ont pas entendues. They will see things they've never heard before. Dieu ne donne toujours pas de prophéties. God does not give prophecies always. Saul n'avait aucune prophétie. Saul never received a prophecy. Joseph avait des rêves prophétiques. Joseph had prophetic mais Saul dreams. N'en avait pas. But Saul had David not. N'en avait pas. David didn't have mais quand anything. La destinée les a appelés, destiny called, ils ont suivi un chemin they followed sans road. Savoir pourquoi the ils allaient. Without knowing what ils they were ont juste senti they just felt qu'il fallait y aller. They needed to go des fois, there. Ils ne voulaient même pas y aller. They didn't wanna go there. Ils ont écouté la personne qui était à leur côté. They heard the person on their side. Écoute ce que je vais te dire. Listen to what I'm saying. Il y a des choses que même toi-même, tu n'écouteras there pas. Are things even yourself you won't hear. Je permettrai que la personne qui soit à tes côtés God will allow the person soit next la to personne you qui soit plus convaincue que toi. Will be the person convinced. Dans cette saison où nous sommes, the season we are, des fois même quand tu n'as pas compris, even when you don't understand, va seulement là où Dieu te demande. Parce que tu ne sais pas ce qui va te trouver là-bas. You don't know what is waiting on you. Écoute ce que je veux te dire. Listen. Écoute ce que je veux te dire. Listen. C'est une saison it is a season où les Naaman doivent se jeter dans l'eau sans comprendre. Naaman has to throw themselves in the water without understanding. Il y a des gens en ces lieux. There are people qui aime toujours dire, moi j'aime que moi-même je sois convaincu. I need to be convinced. You on to dit, be convinced. Je n'ai trois jours, tu veux être convaincu. They're asking for 3 days of prayer. You want on to dit, be convinced. Jetez-vous à l'eau, tu veux they être convaincu. Throw yourself in the water. You écoute want to be ce convinced. Que je veux te dire. Listen. Si Naaman devait être convaincu, if Naaman had to be convinced, il allait rester lépreux. He could have remained. Des fois, il faut écouter même les serviteurs qui est dans ta maison. Listen to the servants even in your house without understanding. Dans les 3 mois qui viennent, in the 3 months to come, tu feras des rencontres prophétiques. You have prophetic encounters. Tu rencontreras quelqu'un. You meet someone. Retiens les choses que je suis en train de dire. Keep in mind what I'm telling you. Dieu passera par cet homme. God will go through that person. Dieu passera par cette femme. God will use that woman. Mais écoute ce que je veux dire. Listen. Ça sera des gens simples. To be simple people. Ça ne seront pas des gens qui avec des apparences impressionnantes. They won't be very high, maybe lifted people. Mais Dieu passera par eux. But God will use them. La Bible nous dit ceci. God is saying, il y avait un grand général de l'armée there was a big general of qui the army, cherchait la guérison. Looking for healing. Mais il y avait dans sa maison but une esclave house, there was a slave qu'elle ne pouvait même pas penser. He could have never c'était par thought elle of que Dieu est passé. Through him, through Dieu her, passera par God des hommes que her. Tu n'as pas calculé. God will use people you never thought Dieu about. Passera par des femmes que tu n'as pas calculé. God will use, go through women ne you never néglige mind. Personne dans le 3 mois au devant de toi. Don't neglect anybody in ne néglige personne, même pas le chauffeur. Don't neglect even the driver. Même pas le travailleur. Even the worker. Même pas la domestique qui even est dans la maison. Your helper. Dieu passera par des gens que tu n'as pas calculé. God will go through people you never mind. Ne néglige pas une invitation qui va venir. Don't neglect an invitation. On t'enverra faire un travail. They'll send you to a ne job. Néglige pas les gens que tu vas rencontrer. Do not neglect people you will meet. Parce que Dieu passera par eux. Because God will use them. Je vais répéter ce que je dis. Let me repeat. Je te le dis.
I'm telling you. Parce que les choses que Dieu va faire, do, elles sont tellement grandes, so que si il nous donnait une prophétie, on n'allait pas croire. If he gives you a prophecy, you won't believe. Mais tout ce que je te demande, asking, ne néglige pas les gens que Dieu va mettre sur ton don't chemin. Neglect people God will put on your side. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, either a man or a woman, ne les néglige pas. Don't neglect them. Ne les néglige pas. Don't neglect anybody. Dans le jour qui vient, in days to come, Dieu prendra la chair. God will take hold of things. Écoute ce que je veux dire. Listen. Quand Dieu veut sauver l'humanité, when God wants to save humanity, il prend la chair humaine. He takes the body of a human. La parole devient chair. The word becomes dans flesh. Le jour qui vient, in days to come, cette parole que tu es en train d'écouter, the word you heard, prendra la forme d'un homme. We take a form of a human. Ça prendra la forme d'un homme. It will take a form of a écoute human. Ce que je veux te dire. About il y a des hommes que tu vois en train de marcher. There are people you see walking. C'est la parole faite chair. It is a word made flesh. Il y a des hommes que tu vois en train d'entrer dans ton bureau. There are people entering your office. C'est cette parole qui a pris la chair. It is the word pour venir accomplir le dessein flesh, de Dieu dans ta vie. Human form to come and fulfill it. Ne néglige personne. Do not neglect anybody. Même à l'église. Even in church. Dieu va nous surprendre. God will surprise us. Ne soyez pas distrait, Église du Seigneur. Don't be distracted, Church of the Lord. Ne te donne pas le luxe. Don't give yourself the luxury. De rester à la maison. To remain home. Quand il y a une convocation solennelle qui vient de Dieu. A call from God for prayer. Ne te donne pas le luxe. Don't give yourself the pleasure. Pendant que les autres prient. While others are praying, toi, tu es sur Facebook, you are on Facebook parce que tu ne connaîtras pas because you'll never know si ça sera online, if it be online, si ça sera en présentiel, or you have to be present, si ça sera dans un chalon, or in the shalom, que cet homme-là viendra te chercher. That man will come and seek for you. Ça sera très prophétique cette année. It will be very prophetic. Je vois des rencontres prophétiques. I see prophetic encounters. Tu t'assieras à côté de cette personne. You sit next to that person. Tu entreras dans un avion. You board a plane. Tu penseras que ça sera dans le bus d'esclasse. You thought it's gonna be in the business pendant class. Que tu es en train de murmurer, while you are murmuring ça and sera complaining, derrière là-bas. It will be back there, là où tu ne t'attendais pas. Where you're expecting the less, que cette personne the least, sera assise. That's where the person will be seated. Ne néglige pas. Do not neglect. On t'appellera pour un petit travail. They'll call you for a small job. Va, fais-le comme si c'était un grand travail. Do it with a big heart, like écoute a big ce que je veux dire. Listen. L'offrande qui les a connectés à la destinée, the offering that connected them to the destiny, ce n'était pas une grande offrande. It was not a big offering. Saul n'avait rien. Saul had nothing. Son serviteur avait quelques pièces. His servant had a couple of coins. Je bénis le Seigneur. I bless the Lord. Parce qu'ils n'avaient pas négligé les quelques pièces. They did not neglect the small offering they had. Si c'était dit, if they told themselves, c'est juste quelques pièces. It's just a couple of coins. On va aller déranger l'homme de we're Dieu. Going to trouble the man of God. Ils allaient rater leur destinée. They could have missed the destiny. Il y a des instructions qui sortent. There are instructions that come les gens forth. Pensent que c'est de la blague. People think it's a joke. Ils attendent le jour où ils auront 10 000 rennes. They're waiting for 10,000. Ils disent, ah, moi, je n'ai rien. I have nothing. Mais écoute ce que je veux dire. But listen. Parmi les grosses enveloppes, among the big envelope, c'était les deux pièces de la veuve qu'il avait vue. It was the two coins of the widow that he noticed. Tout ce que Dieu nous attend all God is expecting à faire dans cette saison, to do in this year, c'est d'obéir aux instructions. Obedience to the instructions. Je vous dis la vérité. Telling you the truth. Avant la fin de cette année, before the end of the year, il y a des gens, leur vie changera comme le jour et la nuit. The people's life will change dramatically. Je sais de quoi je parle. I know what I'm talking about. Allons vers l'homme de Dieu.
Let's go to the man of God. Allons dans la présence de Dieu. Let's go in the presence Il dit, of mais God. Je n'ai pas d'offrande. He said, I don't have an offering. Il y a des gens qui ne sont pas venus ce soir parce qu'ils n'ont pas d'habit. People did not come because maybe they don't have clothes. Il y a des gens qui ne sont pas venus parce qu'ils n'ont pas l'argent de Uber. They don't have Uber money. Au moment où ils peuvent marcher. Meanwhile, they could walk. Écoute ce que je veux te dire. Listen. Ne rate pas un rendez-vous de Dieu. Don't miss a call of God. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. Because you don't know what is waiting on you on the other side. Dans les jours qui viennent, in days to come, Dieu enverra des hommes sur notre chemin. God will send men on our way. Ces gens viendront comme des anges. They'll come like angels. N'est-il pas écrit? Isn't it written? En exerçant l'hospitalité, by being kind, certains d'entre vous some of you ont cru recevoir des hommes. Thought they were come mais en réalité, ils ont reçu but des anges. It was angels. Tu rencontreras quelqu'un en route you met someone on the road. Qui te demandera de porter son sac. You'll help you, ask you to carry tu the dis, bag. Mais comment il me demande de porter ce sac? Moi et lui, on ne se connaît pas. We don't know each other. Souviens-toi de cette histoire. But remember the story. Il y avait une femme samaritaine au puits. A Samaritan woman by un the homme well. Lui a demandé de l'eau a man asked for water sans le connaître. Without knowing him. Fais le bien à tout le monde. To be kind to everybody. Même des gens que tu ne connais pas. Even people you don't know. Parce que Dieu va passer par des étrangers. God may use foreigners, Il strangers. Va prendre une forme déguisée. It's gonna take a disguised face. Mais le Dieu de la Bible, But the God of the Bible, il passera par des hommes. Will use men. Tu es en train de prier pour le mariage. You are praying for marriage. Tu as un homme en tête. You have a man in mind. Tu as une femme en tête. You have a woman in mind. Je vais te choquer. I may shock Dieu you. Peut ne pas passer par cet homme que tu as en tête. Maybe God will not use that man you Sois have préparé. In your mind. Be ready. Accepter les hommes que to Dieu enverra sur ton chemin. God, men God will send forth. On your way. Tu es en train de chercher un travail. You are looking for a job. Tu as déjà quelque chose en tête. You have something in your mind. Ça peut venir dans une forme que tu vas négliger. It may come with an unexpected form. Le chemin qui a amené Joseph the au palais, journey, the journey that took Joseph to the c'était palace le chemin de la prison. Was the prison road. Ça ne ressemble pas au chemin de la gloire. It does not resemble the glorious journey. Soyez prêts à des surprises Be ready de Dieu. For the surprises of God. Toi qui n'aimes pas répondre aux appels des gens que tu ne connais pas. You don't like to pick up calls you don't know. Je vois un numéro que tu ne connais pas t'appeler. I see a number that you don't know calling you. Mais je prie le Seigneur But I pray the Lord que ce jour-là tu répondes. That on that day may you pick up that phone call. Je n'oublierai jamais. I will never forget. C'était un dimanche. It was a Sunday. Pendant qu'un frère de l'église nous a invités à un restaurant. A brother of the church called us for at a restaurant. Au restaurant, on était le téléphone de mon épouse a commencé à sonner. My phone started ringing. Un numéro qu'elle ne connaît pas. A number that I don't know. Ça sonne, ça sonne, ça sonne. It ringing and insisted. Et puis elle répond. And I picked up. Et dit, est-ce que tu peux venir demain? Can you come tomorrow? On a un travail pour toi. There's a job for you. Elle ne sait même pas où elle a appliqué ce travail. I don't know where I applied that job from. Elle se présente demain. I came tomorrow. Il parle. We talk. On lui dit, après demain, viens commencer. And I started the next day. Trois jours après qu'elle ait démissionné de là où elle était. After I quit the job I was working at. Ton numéro sonnera. Your phone will ring. Je te dis la vérité. I'm telling you the truth. Ton téléphone sonnera. Your phone will ring. Je sais de quoi je parle. I know what I'm talking about. Dans les trois mois devant de toi, the 3 months ahead, retiens cette parole. Keep this word. Dieu enverra un homme. God will send a man. Dieu enverra une femme. God will use a woman. Ça ne sera pas des gens que tu connais. It will be people that you don't know. Il amènera des gens que tu n'as pas connus. It will bring people that you don't know. Ton attitude déterminera ta connexion à la prochaine your étape. Your behavior will determine your next connection. Ainsi dit le Seigneur. That says the Lord. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Je vous donne un témoignage. I want to share a testimony. Les choses que Dieu fait. Things that the Lord does. Un jour. One day. Une sœur de l'église a donné mon numéro à une dame là. A sister from the church gave my number to a lady.
pour que je l'aide dans mon business que je fais. So that may help her. Quand elle m'a appelé, when she phoned, on s'écoutait même pas bien. We were not hearing each other very well. Je l'expliquais, mais on s'entendait pas bien. I was explaining to her, but she did not understand. Mais finalement, on a pu s'entendre. Finally, we could hear each other. Et on a fait. And we did. On a fait le business qu'on devait faire. So we did the deal we were supposed to. Quelques mois après, elle m'amène son mari à mon bureau. Couple of months later, she brought her husband. Quand son mari vient. When the husband come. Pour qu'on fasse encore un autre business avec la famille. For another deal again. Pendant qu'on parlait. While we are talking. Je découvre que c'est un homme de Dieu. I discover that he's a man of God. Je parle du bishop Ivan Kalonda qui est venu ici dans cette. Talking about Bishop Kalonda. Et quand il est venu. So when he came. Ce n'était pas pour les choses de Dieu qu'il est venu. It was not for church ministry that we met. Pendant qu'il parlait. While we are talking, je sens dans mon cœur. I feel in my spirit. Je dois lui demander de venir prêcher à l'église. He should come and preach at church. Ah, j'ai réfléchi. I thought it over. Et lui aussi, il est venu en vacances pour quelques jours résoudre des problèmes de sa famille. He came for holidays, just for a couple of days. Il se disait, je suis venu me reposer. He said, I came to rest. J'appelle un homme de Dieu que je connais. I call a man of God that I know. Je dis, est-ce que tu connais cet homme? He said, do you know this man? Il dit, oui, je le connais. He said, I know him. Parce que je sens que je dois lui laisser parler à l'église. I feel like I need to let him preach at church. Il dit, si tu le sens, c'est Dieu. I say, if you feel it, then it's c'est God. Un homme de Dieu. He's a man of God. Il vient, il fait le travail. He come and do the job. Une connexion s'établit. We started. A connection is established. Et il me dit, and dans he said, quelques mois, je vais te voir chez nous. A couple of months, come over to my place. Quelques mois après, je me retrouve à Fungurume. And then I found myself in Fungurume. Je fais le travail. I do the job. Parce que je devais passer par Lubumbashi. Because I had to go through Lubumbashi. Un homme de Dieu qui est venu une fois chez moi pour déposer un colis. A man that came to my house to drop a file. Quand il a appris que je serai à Lubumbashi. When he heard that I was in Lubumbashi. Il dit, je veux que tu viennes dans mon église. So I want you to come. Regarde le chemin. See the road. Et quand j'arrive dans son église. When I get to his church. Il dit que Dieu m'a dit d'entrer en alliance avec toi. God sent me to enter in covenant with you. À partir d'aujourd'hui. From today. Cette maison devient ta maison. This house is yours. Mais ça a commencé avec un coup de fil. Started with a phone call. De ce coup de fil-là, and that phone call, les choses qui sont nées aujourd'hui, things which are born today, sont de très loin. It's far. Que ces petits coups de fil-là d'une femme qui parlait un anglais que je ne comprenais pas. Than the phone call that I had with that lady. Dieu va passer par des chemins. God may use ways. Qui n'auront pas de sens. Which are meaningless. Ça ne seront pas des grands hommes qui viendront en premier. It won't be great men coming forth. Ça seront first. Des simples hommes qui viendront it will be en premier. Simple men coming forth first. Mais derrière les simples hommes, but behind the simple je vis des rois derrière. I see kings behind. Je vous dis la vérité. Telling you the truth. Vous êtes appelés à devenir des grands. You are called to become great. Mais la grandeur, but greatness, on peut la rater, c'est biblique. You can miss it. La Bible dit tu perdras par ta propre faute. The Bible says you will lose by your own fault. L'héritage que je t'avais donné. The inheritance granted. Si on doit rentrer dans l'exemple de Saul, so you have to go back to the example of Saul. Saul pouvait rater Saul la royauté pour deux raisons. Miss kingship. Royalty. Hein? First. À cause de choses qu'il n'avait pas. Because of things he did not have. Il n'avait pas l'argent. He did not have money. Il y a des gens on dit venez à l'église. There are people we say come to church. Faites vos offrandes de sacrifice. Do your offering. Les jours là parce que lui n'a pas l'argent il va pas venir. Because he doesn't have money he doesn't come at all.
Il dit, non, non, je n'ai pas l'argent. He said, I don't have money. Son serviteur lui dit, j'ai quelques pièces. The servant's staff got a couple of coins. Regarde, c'était lui le maître. He was the master. L'autre était le serviteur. The other was the servant. C'est au maître de donner au serviteur. It is from the master to give the servant. Mais Saul n'a pas regardé sa position de maître. But Saul doesn't look at his position as il a accepté de recevoir du serviteur. He accepted to receive from the servant. Il y a des gens. There are people. Leur moi va les empêcher d'entrer là où Dieu nous attend. The pride of who they are may stop them. Ils sont tellement conscients de ce qu'ils they sont. They are so conscious of their personality, que lorsque Dieu passera par un homme qui paraît inférieur à eux, when God uses an inferior man, ils rateront leur bénédiction. They might miss the blessing. Les hommes aiment ce qui impressionne. Men love what striking their face. C'est pourquoi vous voyez des gens, ils peuvent quitter ici. That's why you see men leaving this place. On a appris qu'il y a un grand prophète qui est venu de la Chine. Ils vont courir. There's a great man of God from China. Mais dans ma petite expérience avec Dieu, by my small experience with God, des fois Dieu passe par des choses simples. God uses simple things. C'est pourquoi Christ était né dans un étable. That's why Christ was born in a manger. C'est le modèle de Dieu. It is the model of God. Cette semaine, je veux vous parler sur le secret de l'élévation. The secret of upliftment. Et dans mes textes que j'avais ce soir, text, j'allais parler du cœur qui amène à l'élévation. The heart that bring upliftment. La Bible dit, the Bible say, il a paru comme un simple he homme. Appeared as a simple man. La grandeur de Dieu est cachée the dans la simplicité. Of man is hidden in simplicity. Je n'aimerais pas que vous veniez à rater votre destinée. I don't want you to miss your destiny. Parce que vous vous attendez à quelque chose de grand. Because you're expecting something big. Ça vient dans une simplicité, it may come through its simplicity, mais elle cache une grande grandeur. But behind it is a great glory. Je vous dis la vérité. Telling you the truth. Je vous dis la vérité. Telling you the truth. Il y a eu quelque chose qui s'est fait à Fungurume. There's something that happened in Fungurume. Et je sais. And I know. Que ce jour-là. That on that day, j'avais reçu une grâce prophétique. I've received a prophetic grace. Ce jour-là. That day. Je me retrouve à Fungurume. I am in Fungurume. Quand je viens. When I got there. Fungurume, c'est Fungurume. It is what it is. C'est un village. It's a village. Vous entendez le grand nom de la mine, mais c'est un village. Yes, there is a great mine, but it is a village. Les hôtels de Fungurume. The hotel of Fungurume. Ce n'est pas comme les hôtels de Pretoria. They're not compared to the hotels here. J'entre. I enter. Tu vois, nous autres ici, on est trop géants. You see with my height. Tu sens que ta tête. You feel like your head. La personne qui avait construit là, il avait oublié qu'il y a des géants. The builder forgot that you find tall people. J'entre. À côté. Tu me dis. And après myself, 5 heures de route. After 5 hours drive. On arrive à Lubumbashi. Go to Lubumbashi. On me dit vous allez prendre le bus. We take the bus. Et c'était pendant le moment de COVID. It was during COVID. On arrive à une arrêt. We got there. Il y avait plein de gens. There was a lot of people. Avec nos 4 valises. With our 4 luggages. Il fallait maintenant voir comment entrer dans le bus. Now you have to get to the bus. Quand je regarde la foule. When I look at the crowd. Il y a des réflexes quand tu les as déjà perdus, ça devient compliqué. There's something that you've forgotten. How comment to je vais faire operate, pour entrer dans le bus? How to get to the bus? Et un moment quelque chose me dit. And then something says to me. Mais tu peux louer même une Jeep et partir. We can just rent a car and go. Quelque chose m'a dit non, tu dois entrer dans le bus qu'on t'a amené pour te prendre. Just go, use the means they've made available. Les amis qui étaient là nous ont aidés, on s'est battu, on est rentré. So we managed to get inside. On fait 5 heures de route. 5 hours on the road. On arrive. We got there. J'entre dans la chambre. I go to the room. Je ne sais pas quand j'arrive au Congo, je transpire beaucoup. I sweat a lot in Congo. On a commencé à transpirer. So he was sweating a lot.
Il fallait ramener les mécanismes de se laver comme ça. You have to bath like that. Et je ne comprenais pas ce qui se faisait. I did not understand. Le jour d'après, after that, the next day, je rencontre dans le couloir un homme que Dieu utilise très fort dans le prophétique au pays. I meet a man that God uses in the prophetic. Il était juste la chambre à côté. He was on the room next door. On parle avec lui. We speak. Et le jour d'après, il devait partir. The next day he had to go. Je vois, on m'enlève dans ma chambre où j'étais. They took me out of the room where on I was. On y va maintenant dans sa chambre. You may use his room. Ça peut commencer par des choses simples. It may start by simple things. Mais derrière la simplicité, but behind simple things, Dieu cache quelque chose de grand. God may hide something great. Quand je suis entré dans cette chambre, when I got to that room, quand je dormis là, when I slept there, je savais qu'il y avait une raison. There was a reason pour lequel il voulait que je dors sur le même lit que lui. Where they wanted me to sleep on the same bed. Dieu te fera rencontrer des gens God will make you meet people qui sont porteurs de ce que tu cherches. They are curious of what you are looking for. Ils paraîtront simples. They may appear simple. Mais ce qui en est n'est pas but simple. But what is in them is not simple. On a dormi. We slept. On a prié. We prayed. Et lui, il est parti. He left. C'était un jeudi ou un vendredi. So it's a Thursday or Friday. Je prêche. I preach. Je finis de prêcher. I finish preaching. Je rentre même à soi. Je rentre même à soi. I went back to sit. Oh, sorry. You went back to sit. Le pasteur me rappelle encore. He calls me back again. Il dit, je veux que tu pries pour les gens qui sont dans le business. I want you to pray for people in the business. Je monte sur la chaire. I'm on the pulpit. Mes yeux s'ouvrent. My eyes got open. Ce n'était plus moi. It was no longer me. Je commençais à voir des détails des gens qui étaient dans la foule cachés. I started seeing details. Je commençais à écouter. I started hearing. Une gloire est descendue dans la salle. The glory fell in that place. Je voyais des enfants sorciers de 12 ans sous le feu tomber. I saw witches falling under the fire. Moi-même, je ne savais pas ce qui m'arrivait. I didn't know what happened to me. Il y a des gens que tu rencontreras. There are people that you meet. Quand tu les rencontreras, when you meet them, il y aura un transfert. There will be a transfer. Mais ça a commencé par un coup de fil. But it started with a phone call. Un coup de fil. A phone call. L'année passée. Last year. Décembre, je crois, le 12. Last year, December 12. Si pas le 19. 19th. On entre dans l'avion. We are in the plane. On voit le pasteur de mon pasteur. We saw the pastor of my pastor. C'est l'un des pères de l'évangile du Katanga. One of the fathers of the gospel in Katanga. Cette année. That year. Tu entreras quelque part. You enter somewhere. Tu rencontreras un homme qui porte ce que tu cherches. You meet someone who's carrying what you are looking for. Ma femme va le saluer. I greeted him. Et il va derrière. Goes at the back. Dès qu'on descend à Johannesburg. The moment we landed. Je ne sais pas ce qu'il lui avait pris. I don't know what got into elle me. Court, elle prend son sac. I carry the bag. Elle a porté son sac. Carry the bag. Moi aussi, je l'ai suivi. He followed me. On est allé avec lui jusqu'à l'immigration. We took him to immigration. On l'a aidé, on l'a aidé. We helped him. Et puis il est passé. He went. On est rentré dans notre queue. Went back to our queue. Quand on ressort, we came out on le of voit it. Encore. We see him again. Il devait prendre les bagages. He had to carry the cette luggage. Fois-ci, je prends le trolley. And then we took the trolley. On prend ses bagages. Carry the luggage. On le met, on le met. Et quand on commence à sortir, when we left, il a fait une prière pour nous. He prayed. Il a dit ceci. He said, Père, tu nous as promis Lord, you promised la bénédiction d'Abraham. The blessing of Abraham. Et tu nous as dit, and you said, quiconque te bénira, whoever blesses tu le béniras. You bless him. Ses enfants children, ont droit à cette bénédiction. They are partakers of the blessing. C'est un homme quand il prêchait. The man, when he preached, le feu physique sortait de sa fire bouche. Came out of his mouth. Pas le feu spirituel. A physical fire came out of his mouth. Et cette année, that year, à ma dernière visite à Kinshasa, my last meeting in Kinshasa, j'ai vu des gens avec des béquilles sautées.
et courir. I saw people live in crutches and run. Des fois, tu te demandes qu'est-ce qui a changé. Sometimes you wonder what happened. Écoute ce que je vais te dire. Listen. Dans le spirituel, in spirituality, les grâces c'est comme une course de relais. The grace is like races. L'apôtre really. Paul dit ceci à Timothée. The apostle Paul says to Timothy. Il dit, je garde encore souvenir de cette foi sincère. I keep in souvenir the faithful qui habitait faith dans ta grand-mère. That was in your grandmother. Lois. Eunice, qui a habité dans ta mère et qui maintenant well, habite en toi. Now is in you. Il y a des onctions qui se transfèrent. They are transferable anointing. Il y a des grâces qui se transfèrent. There are graces we can be transferred. Il y a des grâces qui ne viennent plus d'en haut. Graces who don't come from above. Écoute ce que je veux dire. Listen. Jacob bénit. Isaac bénit Jacob. Isaac blessed Jacob. Ésaü arrive, il demande la bénédiction, il dit c'est parti. Come and ask for the blessing, he said it's already gone. Mais la bénédiction vient d'en haut, non? But it comes from above. C'est comme si c'est quelque chose que lui portait. It was something that he was carrying. Et il a déjà transféré. He has already given it away. Il y a des grâces. There are graces que Dieu met dans un homme. That God may put in a man. Et avant qu'il ne parte, before he may leave, il va amener un Élisée pour transférer la grâce. Bring an Elisha away to pour down the same grace. Quand Dieu veut te bénir, when God wants to bless you, il enverra sur ton chemin you send on your way quelqu'un qui a déjà reçu ce que tu cherches. Someone has received what you're looking for. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci à Timothée. That's what Apostle Paul says il to dit, Timothy. Garde les dépôts. He said, keep the depot. Parce que c'est déjà tombé. Because it's already there. Quelqu'un le porte. Somebody is carrying it. C'est que tu cherches là, quelqu'un a ça. What you're looking for, somebody has la maternité it. Que tu cherches, quelqu'un the baby a ça. You're looking for, somebody has it. L'élévation que tu cherches, a quelqu'un a ça. You're looking for, somebody else has it. Mais il peut avoir une forme que tu peux négliger. But it may come with a very another simple way. Another form. Regarde simple. Ce qui se passe. See what happened. Ésaü est allé loin. Esau went very far, chercher le gibier, looking for a lamb. Mais le gibier qui a amené la bénédiction dans la vie de Jacob, but what brought the blessing in the life of Jacob, il était dans leur maison. He was found behind his house. Il était dans leur maison. Behind their house. Ça sera simple, c'est tout ce que it je veux dire. It will be simple. That's what God is saying. Ne le rate pas parce que c'est trop simple. Don't miss it because it's too simple. Ils auront l'air simple. They will come as simple. La Bible as dit possible. Il a paru comme un simple the homme. The Bible says he appeared as a simple man. Ne le rate pas parce qu'il paraît simple. Don't miss him because he looks appears simple. Les gens aiment les choses extravagantes. People love very extraordinary things. Des choses compliquées. Complex things. Complicated. Et c'est à l'année qui vient de passer. But last year, des fois, il y a des choses que j'ai commencé à voir dans mon ministère. There are things I started noticing in my ministry. Il y avait quelque chose qui venait dans mon esprit. Something came to my spirit. Certaines de ces choses, tu l'as eu le jour où tu as vu ce vieux papa là. Some things you got it when you saw the old man. Il y a des grâces. There are graces que des hommes portent. That men carry. Tout ce que je veux dire ce soir, tonight, ne méprisez pas les hommes. Do not neglect men. Parce que Dieu passe par des hommes. God uses men. Même vos travailleurs dans la maison. Even your workers at home. C'est général de l'armée. That general of the army. C'est une travailleuse qui l'a sauvée. She, the worker. Elle peut avoir l'information que tu cherches. She may have the information you are looking for. Le général arrive chez le prophète. The general arrived at the prophet. Le prophète lui dit, va te jeter sept fois. The prophet said, go through yourself seven times. Dans le Jourdain. In the il Jordan. Se fâche. He got angry. Il dit, mais tout ce voyage ici que je fais. He said, all the trips that I've done. C'est pour me demander d'aller me jeter à l'eau. It's for me to go throw myself in the water. Écoute ce que je veux dire. Listen. Entoure-toi de bonnes personnes cette année. Surround yourself with good people. C'est général Naaman, that general Naaman, la personne qui lui a sauvé, the person who saved him, c'était une bonne was a helper, qui était à ses côtés on his side, quand il voulait s'embrouiller. When he wanted to go astray. Saul,
So, la personne qui l'a sauvé, the person that saved c'était him, un bon, un serviteur, was a servant, quand il voulait s'embrouiller. Where he wanted to go amiss. Les gens que tu amènes dans ta maison, people that you bring to your house, prends le temps de beaucoup prier. Take time to pray. Parce que because Dieu peut passer par eux. God may use them. Le diable aussi peut passer par the eux. Enemy can also use them. Fais attention aux gens que tu appelles amis. Be careful to the people you call your friends. Entoure-toi des gens spirituels. Surround yourself with spiritual persons, même s'ils n'ont pas de l'argent, mais s'ils sont spirituels. Even if they don't have money, but if they are spiritual, it's fine. Dieu m'a appris une leçon l'année passée. God taught me a lesson last year. Il m'a dit ceci. He said, il y aura des moments. There'll be time. Ça ne sera pas à cause de toi. It won't be because of you. Mais à cause de ceux qui sont à tes côtés. But because of people surrounding you. Que j'explique. Let me explain. Le jour où le Seigneur m'a enseigné cela, the day the Lord taught me that, il m'a donné l'exemple de Pierre. He gave me the example of Peter. Jésus le regarde et dit, Jesus looked at him and il said, dit, Pierre, tu es assis en train de rire. He said, Peter, you are here seated. Mais Satan laughing. T'a réclamé pour te tribler. The devil was claiming you. Mais ce n'est pas à cause de ta prière. But it's not because of your own prayer. J'ai prié pour I toi. I prayed for you. Il y aura des victoires. There'll be victories qui dépendront des gens extérieurs. That will depend of external people. Ne jouez pas avec les connexions des hommes. Don't play with human connections. Ne jouez pas avec les connexions des Don't hommes. Play with human connections. Nous sommes en 2022, je crois. 2022. À ma première visite à Prosterné. My first meeting at Prosterné. Je descends de l'ascenseur. Come out from the lift. Je rencontre une dame. I met a woman. Elle dit, hey, pasteur, she said, pastor, it's you. Tu as prêché dans notre église aujourd'hui. You preach at our church today. Moi, c'est tel, 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 tel. I'm this and that. Est-ce que je peux avoir ton numéro? Can I have your number? Je change mon numéro. We exchange number. Deux jours avant que je parte, two days before I leave, elle m'appelle, dit, pasteur, j'ai laissé quelque chose pour toi à la réception. I left something at the reception for you. Quelqu'un que j'ai rencontré sur le chemin. I met on the road. Ne néglige pas les gens que tu vas rencontrer Don't sur la route. Don't neglect the people you're gonna meet. Je vous dis la vérité. Telling you the truth. Des fois, ça ne sera pas ton grand frère. It might not be your big brother. Des fois, ça ne sera pas ton fiancé. It won't be your fiancé. Il y a des gens qui ne respectent que les gens que eux connaissent. That people only respect people they know. Écoute ce que je veux dire. Listen. Ce serviteur d'Abraham, the servant of Abraham, a fait cette prière. Done the prayer. La fille à qui je demanderai de l'eau, the woman that I asked for water, qui me donnera de l'eau à moi et à mes brebis, will give water to me and to my sheep. C'est elle qui entrera dans la promesse d'Abraham. She will enter into the promises of Abraham. Il y a des choses que les gens se disent. Things people say to themselves. Il y a des choses glorieuses qui sont déclarées. There are glorious things which are declared, que tu ne connais pas. That you are not aware ton attitude of, but your behavior déterminera ta connexion à ces choses. Will determine your connections to those things. La Bible dit, the Bible says, il fait cette prière. He just made a prayer. Oh Dieu de God, mon maître Abraham, God of my master Abraham, fais-moi rencontrer en ces jours meet on this day, ce que mon cœur désire. What my heart desires. Et la Bible dit ceci, the Bible says, il n'avait pas fini de prier, he did not finish praying, que Rebecca sortit. That Rebecca came out. Il y a des gens qui vont faire des mouvements et penseront que c'est eux. The people are gonna make shift, they'll think it's themselves. Ce n'est pas toi, c'est ta destinée qui te réclame. Your destiny calling you out. Tu sortiras au bon moment. You come out of the good time, at tu penseras right time. Que tu es en train d'aller à Shoprite. You thought you're going to Shoprite. Mais il y a un homme que Dieu avait déjà mis au coin de Shoprite. But there's a man God has posted, qui est en train de faire une prière. Fais-moi rencontrer ce manager que j'ai besoin pour mon business. That I need for my business. J'étais en train de prier il y a quelques années avec une de mes nièces. I was praying with my niece a couple of years ago. Elle travaillait dans une compagnie où elle était déjà fatiguée de son boulot. She was working at a company where she was already tired. On priait ensemble que Dieu la donne un boulot. We were praying for another job for her. Et un jour, elle entre dans un shop à Lubumbashi qu'on appelle Jumbo. One day, she's at a shop. Jumbo? Les gens de Lubumbashi connaissent Jumbo. People in Lubumbashi knows Jumbo. Pendant qu'il entre, while she's in the shop, il voit un papa là au til en train de parler en anglais et la comment la caisse ne comprenait pas.
The teller was not understanding English. Ils étaient en train de s'embrouiller. So they were arguing, trying to explain what's happening. Qui n'entendait pas l'anglais. Et du coup, elle a picked up qu'il y avait un problème. She saw that there was a problem here. Elle oublie ses problèmes. She forgot a problem. Elle vient commencer à aider dans la translation. She goes and start assisting. Et à la fin, translating. Les deux se sont bien compris. Then they understood each other. Le papa le regarde. So the father looked at her. Il dit, can you speak English? Tu parles anglais? Yes, I can. Il a dit, can I have your number? Que je peux avoir ton numéro? Il dit, yes. Oui, tu peux. Il prend le numéro. She took. Demain, took the number and tomorrow. Passe par nos bureaux. Come to my office. Elle arrive là-bas. She goes to the office. Parle un peu. They speak a little bit. Il dit, tu es la personne qu'on cherche. So you are the person you are looking for. Il dit, ah, just like that. She said, really? On veut te donner un boulot. They gave her a job. Tu seras la directrice provinciale de nos activités dans. You'll be the regional director in the province. C'est une très grande compagnie sud-africaine. It was a big company. Qui venait d'avoir un grand marché en millions de dollars. Who got a big deal in Congo. Elle qui était en train de pleurer. She was crying and praying. Elle envoyait des CV à gauche, à droite. Sending her CV left to right. Mais Dieu passait par un homme qui avait des difficultés de God se faire used comprendre. A man who could not understand. Quelqu'un the que language. Elle ne connaissait pas. The person that she did not know. Ne négligez pas. Do not neglect. Les gens que Dieu va envoyer sur people vos chemins. People that God will send on your way. Ce sera un frère qui va entrer. To be a brother. Il demande une place. Asking for a seat. Tu peux bien répondre you just answer correctly, et nicely, marquer son attention. And catch his attention. Et à la fin, il deviendra le Boaz de ta vie. And then he become the Boaz of your life. Les Boaz là, the Boaz, ils paraissent comme des hommes simples. They come as simple men. La Bible dit ceci. The Bible say, Ruth est sortie Ruth came out pour aller glaner. To go and glean. Écoute ce que la Bible dit. Hear what the Bible says. Il s'est fait comme par hasard just like by hazard, que les champs là où elle est entrée the field where she went by, c'était les champs de Boaz, belonged to Boaz, un homme qui avait le droit de rachat a man who had the right of redemption over Dieu her. Te conduira God will lead you là où ta destinée te cherche where your destiny is calling you out. Sois sensible aux choses que Dieu va faire. Be sensitive to the things the Lord is going to do. Ne néglige jamais les convocations de Dieu. Don't neglect the calling of God. Ne néglige jamais les gens que Dieu va amener sur ton chemin. Don't neglect the people God will bring your way. Je vous dis la vérité. Telling you the truth. Ça commence par des choses simples. Comes with simple things. Mais derrière les choses simples, behind the simple things, il y a les grandes choses de Dieu. Great things are hidden. Ce soir, j'ai même pas prêché mes notes. Tonight I did not even preach my notes. Je te dis ce que Dieu m'a dit de te dire. I'm telling you what the Lord asked me to tell you. Entre maintenant et mars. From now until March. Ça sera une saison de rencontres. To be a season of encounters. Que mon Dieu vous bénisse. May my God bless you. Que mon Dieu vous bénisse. May my God bless you. Nous allons enseigner demain. Demain ne manque pas. Tomorrow don't miss. Nous allons parler sur le cœur. Going to speak of the heart que Dieu cherche pour élever that God is seeking for. C'est un enseignement qui nous fera tous beaucoup du bien. It's going to do us good, this teaching. Amen. Amen. Nous voulons donner nos offrandes. Let's give our offering. Ne néglige jamais l'offrande. Do not neglect the offering. Quand ce sont les moments des offrandes, même si tu as un rein, si c'est even ce when que you tu have adores. One rein, that's what you have. It's okay. Il y a des gens qui pensent que Dieu a besoin de voir seulement quand il donne 10 000. Non. God does not notice only the 10,000. Dieu regarde le cœur. God look at the heart. Ne rate pas des instructions prophétiques parce que tu n'avais pas beaucoup. Don't miss prophetic instruction because you don't have a lot. Dieu a besoin de ton peu pour t'amener dans le domaine du beaucoup. God needs your few to bring it to abundance. Les offrandes sont des points de contact. Offering a point of contact. Cette année, prends l'engagement. Take a pledge. J'ai toujours donné tes offrandes. An agreement to always give your offering. De payer tes dîmes. To pay your tithes. Ce sont des petites choses que Dieu nous those demande are de faire. Small things the Lord is asking of us. Mais Dieu s'en sert pour faire des grandes choses. God use them to do great things. Le matin, sois là. Shalom, sois là. Morning, be there for shalom prayers. Tu ne sauras pas. You don't know. Peut-être les gens pensent que c'est le jour où le grand prophète va venir, que c'est le jour où Dieu va te visiter. People expecting God's visitation when the big prophet comes. Des fois, ça sera le jour où
il n'y a pas de gens. To be days where there's no one, c'est le jour où Dieu te visite. That's the day God visits. Comme ce soir, you. Dieu t'a visité. Like tonight, the Lord is visiting you. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Amen.